Nous te remercions pour l'étude biblique. Ne prenons rien à la légère. Ne prenons pas ta miséricorde, ton amour à la légère. Nous t'apprécions, nous t'aimons, nous nous soumettons à toi. Nous prions, Seigneur, que tu envoies ton esprit ouvrir nos yeux pour que nous comprenions le pourquoi Jésus, ce que Jésus, notre Seigneur, souligne dans l'étude de cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous prions que nous ne fassions pas ce que nous voulons, que ne fassions pas ce qu'on veut dans notre religion et dans notre opinion au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus parle, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est obéir. Nous prions, Seigneur, pour les demeures célestes que nous aspirons. Nous prions, Seigneur, que le véritable salut soit le nôtre au nom de Jésus-Christ. La grâce pour comprendre, la grâce pour obéir, tout ce que tu nous enseignes et nous révèles, accorde-la à tes enfants cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il n'y ait pas d'argument dans notre cœur, qu'il n'y ait ni soustraction ni addition dans notre cœur, qu'il n'y ait pas le retour à la tradition dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit efficace dans tout cœur cette nuit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que la vie profonde dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Marc 10. Cette nuit, on étudie de Marc 10 à partir du verset 17 au verset 31. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Une grande question, la question la plus importante, une plus grande question que l'on puisse demander. Et Dieu merci, il a demandé à la vraie personne, il a posé la question à celui qui donne la vie éternelle. Il a posé la question à celui-là qui était là depuis l'éternité. Et il est venu sur la terre à l'époque là, et il allait rentrer à l'éternité. Si quelqu'un a besoin de quelque chose au sujet de la vie éternelle, c'est Jésus que le Père a désigné et l'a envoyé pour accorder la vie éternelle à tous qui viendront à lui, ceux qui vont l'écouter, ceux qui vont lui obéir, ceux qui vont le croire et ceux qui vont marcher dans la voie de Christ. Donc l'homme a bien fait en venant après Christ, et après tout même, il courait. Il ne voulait pas rater cette occasion. Christ passait, je dois l'aborder. Cette question brûle mon cœur. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi ne pas aller demander les sacrificateurs qui n'avaient pas la vie éternelle eux-mêmes? Pourquoi ne pas aller demander les pharisiens qui ne connaissent pas la voie de la voie et de la vie éternelle? Pourquoi ne pas aller à la synagogue? Pourquoi ne pas aller lire ta Bible, l'Ancien Testament, jeûner, prier et faire bien de choses? Mais je suis toujours confus. Je suis dans les ténèbres. Je ne comprends rien. Et il est venu et se mettre à genoux devant Jésus et a dit, bon maître, pas seulement maître, bon maître. Il dit, que dois-je faire? Il n'a pas dit, que fera l'église? Il n'a pas dit cela. Que feront les gens religieux pour moi? Non, il n'a pas dit. Que dois-je faire? C'est dans tes mains. C'est ce que tu fais. C'est ce à quoi tu crois. C'est ce que tu embrasses. C'est comment tu vis. C'est la grâce que tu as reçue du Seigneur. Il dit, que dois-je faire? Quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres possèdent, quel que soit ce que les autres connaissent, quel que soit ce que les autres possèdent, quel que soit ce que les autres ne possèdent pas, moi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oui, j'ai le meilleur de la vie.
Mais la vie ici est si brève. J'ai les richesses. Je possède, j'ai la popularité. J'ai le renom. J'ai la profession. J'ai des provisions. Au fait, je suis vraiment riche. À mon âge, les gens m'envient. Mais il y a quelque chose qui fait mon objet de méditation après la vie. Lorsque je m'en irai et que j'aurai expiré le dernier souffle et que je me trouve à l'autre bord, je m'intéresse à savoir ce que je dois faire. Lorsque cela arrive à l'époque là et que je passe à l'autre bord de l'éternité, alors qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Avez-vous jamais pensé à cela? Est-ce que vous pensez à cela? Et au pinacle de votre position, est-ce que vous pensez à cela? Au pinacle de votre privilège, est-ce que vous pensez à cela? Que pour vous en particulier, faut pas jeter la question à autrui, à une autre personne. La vie sur terre ne s'éternise pas. Quelle que soit votre position, quelle que soit votre possession, quel que soit votre lieu, quelle que soit votre réputation, quel que soit ce que vous avez, voici ce que je possède sur la terre. La vie sur la terre n'est pas à jamais. Chacun ira à l'autre bord finalement. Lorsque vous irez à l'autre bord, où serez-vous? Où allez-vous passer l'éternité? Ceux qui sont remplis d'eux-mêmes et sont aveuglés par les choses de la terre, ils ne pensent jamais à la vie éternelle. Mais vous devez y penser. C'est pourquoi vous êtes arrivé à l'étude biblique. Vous êtes venu au bon lieu. Parce que nous allons voir les paroles de Jésus. Et ce donateur de la vie éternelle vous parlera et vous dira de façon claire et nette ce que vous devez faire pour hériter la vie éternelle. Cette nuit, nous allons considérer le message qui est la condition révélée de Christ pour hériter de la vie éternelle. La condition révélée de Christ pour hériter la vie éternelle. Comme on voit la réponse qu'il a donnée à l'homme là, et la réponse de l'homme, et comment Christ lui a révélé ce qu'il doit faire, et qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il n'y ait pas d'empêchement sur sa voie pour arriver à la vie éternelle. Et nous voyons la réaction de l'homme là. Et après qu'il a réagi, on a vu la révélation finale du Seigneur Jésus-Christ. Alors, combinez tout. Voici, nous allons voir trois points. Numéro un, recevoir la vie éternelle à travers la foi en Christ. Recevoir la vie éternelle à travers la foi en Christ. Deux, moissonner la perte éternelle à travers la focalisation sur les choses corrompues. Les choses de ce monde sont corruptibles. Mais les chiens, les richesses, les biens, et tout ce qu'on peut voir, les choses tangibles, les choses qu'on peut posséder, les choses qu'on peut saisir, qu'on peut avoir, les choses pour lesquelles on travaille, toute chose sur terre est corruptible. Parce que les sèches-là peuvent se rouiller et perdre. On ne les amène pas hors de du tombeau, de la mort. Mais il y a des gens, néanmoins, il y a des gens qui focalisent leur vie, leur attention, qui concentrent leur cœur, qui concentrent tout ce qu'ils ont sur les choses corruptibles de ce monde. Et ils moissonnent la perte éternelle. Moissonner la perte éternelle à travers la focalisation sur les choses corruptibles. Toi, retenir la vie éternelle, une chose d'avoir et une autre chose de posséder. Une autre chose de posséder, une autre chose de garder. Et comment allons-nous retenir et comment allons-nous garder la vie éternelle une fois que nous la recevons? Retenir la vie éternelle à travers la communion avec le crucifié. Christ le crucifié au monde, crucifié à tout ce qui est de la terre,
séparé d'avec le monde et séparé de tout ce qui est de la terre. En prenant les choses de ce monde avec les mains légères. S'il y a quelque chose sur terre qui va rivaliser avec votre vie éternelle, il vous faut abandonner cela. Il vous faut être crucifié à cela, crucifié au monde, et que vous reteniez la vie éternelle. Troisième point, retenir la vie éternelle à travers la communion avec le crucifié. On vient au premier point. Recevoir la vie éternelle à travers la foi en Christ. Nous allons à Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ce jeune homme qui est arrivé, ce riche qui est arrivé, cet homme religieux qui est arrivé, ne regardait pas Jésus comme Dieu. Il le regardait comme un homme. Il le prenait pour prophète. Comme un prophète, d'autrefois, certains disaient qu'il est Jérémie. Certains disaient qu'il est semblable à Élie. Certains disaient qu'il est semblable à tous les bons hommes, à tous les grands hommes, à tous les bons docteurs, à tous les grands docteurs de l'Ancien Testament. Et avec cette compréhension, et venant avec cette conception que voici un bon docteur, voici un bon maître, voici un bon dirigeant, voici un bon prophète, c'est ce que Jésus a dit. Et si tu me regardes comme un homme, oui, il n'y a aucun homme qui soit bon. Tu me regardes comme un bon enseignant. Il n'y a aucun bon maître qui soit naturellement bon en tant qu'un maître. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a nul qui soit bon à l'exception de Dieu. En allant par nature, par caractère, par la vie, en allant par tout ce qu'il possède et en allant par tout ce qu'il fait. Au fait, verset 19. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, 1. Tu ne tueras point, 2. Tu ne déroberas point, 3. Tu ne diras point de faux témoignage, 4. Tu ne feras tort à personne, 5. Honore ton père et ta mère, 6. Voyez, Jésus-Christ a pris, oui, les commandements. De la deuxième table, il y a deux tables. La première table contient les devoirs envers Dieu, votre honneur pour Dieu. La première table contient, oui, votre foi implicite, inébranlable, inchangeable, la foi inadultérable, la foi précieuse en Dieu le Tout-Puissant, en agissant avec votre foi, avec votre soumission à Dieu. Mais il a pris la deuxième partie, qui est votre devoir envers l'homme. Voici ce que Christ a fait. Christ n'est pas allé avec numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, numéro 10. Il a changé l'ordre. Pourquoi? Parce que l'homme lisait cela plusieurs fois. Ce que vous lisez récemment, et si c'est récité au même ordre, vous allez sûrement sinon passer dessus sans avoir, oui, le vrai sens. Donc le Seigneur a dit, et ceci, que tu ne commettras pas d'adultère, que tu ne tueras point, pense à cela, tu ne déroberas point, pense à cela, tu ne diras point de faux témoignage, pense à cela, honore ton père et ta mère, pense à cela. Il lui répondit, maître, ouais, ici il s'est corrigé, au lieu de dire bon maître, maintenant il a dit que maître, j'ai observé toutes ces choses, je vois que tu es maître,
Et tu as dit qu'il n'y a personne qui soit naturellement bon. En est assez de cela. Toi-même, si tu as ôté bon de maître, alors ôte bon de ta vie aussi. Tu n'es pas naturellement bon. Tu es rué. Quoique tu sois, quoique religieux, tu n'es pas acceptable à Dieu. Il y a quelque chose à faire. C'est la foi en Christ. C'est la foi en le Sauveur. Toutes tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Pourquoi l'aima-t-il? Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde, les bons, les mauvais, les pourris, les justes. Et les gens à la main gauche, à la main droite, les aveugles, ceux qui voient. Et ceux qui sont sauvés, ceux qui ne sont pas sauvés, ils aiment tout le monde. Et celui-ci aussi qui est venu à lui. Et celui-ci qui s'est mis à genoux. Et celui-ci dit que je fais de mon mieux. Mais il voudrait la vie éternelle. Et Christ l'aima et lui dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Avant de lire ce verset pleinement, allons à Matthieu. Matthieu 19, la même histoire. Mais il y a quelque chose ici qu'on doit observer. Matthieu 19, verset 18. Jésus répondit. Oui, le commandement, il dit. Jésus répondit. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et voici la conclusion de ces commandements dans la deuxième partie du décalogue. Tout ce que vous faites à votre voisin, tu aimeras ton voisin comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas seulement des commandements disant 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout cela veut dire que vous devez aimer votre voisin comme vous-même, votre prochain. Oui, les pauvres, aimer les pauvres comme vous-même. Et aimer les nécessiteux comme vous-même. Aimer les affamés comme vous-même. Aimer les dénudés comme vous-même. Aimer les infortunés, les malheureux dans la vie comme vous-même. Et celui qui ne vient pas dans votre synagogue, les religieux, aimez-les comme vous-même. L'autre là qui n'a pas de relation avec vous, mais qui est créé par Dieu, aimez toutes les créatures de Dieu comme vous-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui a dit que j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'ai observé toutes ces choses. Tu es sûr de cela? Tu aimes les pauvres comme toi-même? Tu as aimé les sans-sous comme toi-même? Es-tu sérieux de ce que tu dis? Est-ce que tu as aimé les affamés comme toi-même? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis là? Est-ce que tu aimes les infortunés, les malheureux, les marginaux comme toi-même? D'accord. Donc, voyons. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va le démontrer. Va, vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et donne l'évidence pratique que tu aimes ton voisin, ton prochain, les pauvres comme toi-même, que tu aimes les marginaux comme toi-même, que tu aimes les affamés, les dénudés comme toi-même, que tu aimes les veuves et les orphelins et comme toi-même. Va vendre ce que tu as. Si tu es malade,
et tu as consulté le docteur et le docteur demande que tu vendes tes biens pour prendre soin de ta vie. Peux-tu le faire? Oui, je le ferai. Tu aimes ton voisin, ton prochain comme toi-même. Vends ce que tu as et prends soin d'eux. Et ce que tu aurais fait pour toi-même, fais-le leur. Parce que tu as dit que j'ai observé toutes ces choses. Et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, l'homme qui avait dit, je l'ai fait, que j'ai observé cela, j'ai aimé mon voisin comme moi-même, j'ai aimé les affamés, les orphelins, les veuves comme moi-même, j'ai observé tous les commandements de Dieu, va le prouver et va le démontrer. Va démontrer l'amour que tu as pour ton voisin, pour ton prochain et va montrer que tu aimes les commandements de Dieu. Nous ne parlons pas de la première partie, nous parlons du niveau humain. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Revenons à Marc chapitre 10, verset 21. Jésus l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va. Vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Jeune homme, ce n'est pas la chose finale. Peux-tu donner ton argent aux pauvres si tu ne suis pas Christ? Si tu n'as pas encore la vie éternelle, peux-tu vendre tout ce que tu as? Et donner aux marginaux, donner aux affamés, donner aux dénudés. Si tu n'es pas venu à paix Christ, tu n'as rien fait. Après avoir fait cela, et puis viens et suis-moi. Et celui qui donne la vie éternelle, celui qui montre la vie éternelle aux gens, et sa grâce qui coule, la grâce qui coule par lui dans la vie éternelle. Donc, tu dois venir avec tout ce que tu as fait. Viens, prends ta croix et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le Seigneur nous dit quelque chose. Lorsque vous dites que vous êtes juste, que vous êtes saint vous-même, que vous êtes qualifié vous-même, que vous avez la vie éternelle par vos efforts, le Seigneur va dire, non, tu ne peux pas, tu n'as pas, je vais te le prouver. C'est ce qu'il a fait au jeune homme. Nous allons au Proverbe. Proverbe 30. Proverbe. Chapitre 30, verset 12. Il est une race qui se croit pure. J'ai observé toutes ces choses, comme marque-t-il. Et l'espèce, je suis une espèce des justes qui vont à la synagogue. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Et j'ai été enfanté dans l'iniquité. Tu as besoin d'une purification. Ce n'est pas dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu dois être lavé dans le sang de l'agneau. Esaïe nous dit en Esaïe chapitre 64. Le jeune homme a dit, nous lisons le verset 5. J'ai fait cela, j'ai observé cela, j'ai observé ceci. Et Esaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Ce qu'on fait officiellement, ce qu'on fait superficiellement, sans penser à la pourriture de notre cœur, sans penser à la justice de notre cœur. Nous croyons faire bien. J'ai fait ceci. Je ne commets pas d'adultère,
Mais si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis un adultère dans ton cœur. Je ne vole pas. Mais si tu as volé la gloire qui appartient à Dieu seul, tu es voleur. Et je ne rends pas de faux témoignages, mais tu as rendu un témoignage à l'égard de Dieu qui n'est pas véritable et factuel. Tu as rendu un faux témoignage. Tu ne convoiteras pas. Mais quand tu envies ton frère qui a ce que tu n'as pas, tu es un homme cupide. Je n'adore pas les idoles, mais si tu t'accroches à l'argent et tu exagères l'importance de des richesses, plus que tu ne suis le Seigneur, tu prends l'argent, tu adores l'argent comme une idole. C'est pourquoi c'est dit que nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et devant Dieu, nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Allons au Romains chapitre 9. Romains 9, verset 30. Romains 9, verset 30. Quelle est votre gloire, votre joie, votre témoignage? Sur quoi fondez-vous votre salut? Je paie la dîme, d'accord. Je fais ceci, d'accord. Je ne fume pas, je ne bois pas, c'est bon. C'est le salut, ça? Je fréquente l'église, je viens à l'étude biblique, ça c'est le salut? Je ne rate pas ceci et cela. Ça, c'est le salut. Tout ce que tu fais par toi-même, il n'y a rien qui puisse te sauver de tout ce que tu fais pour toi-même. On a toujours la tâche de la nature adamique. Romains 9, verset 30. Romains 9, verset 30. Romains 9, 30. Que dirons-nous donc? Mais les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice et la justice qui vient de Dieu. 31. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de Dieu n'est pas parvenu à cette loi. Voyez cet homme. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il a tout fait par ses propres efforts, par sa propre force, par sa capacité. Et il se vantait. Voyez ce que j'ai fait. Ne dois-je pas avoir la vie éternelle? Ce que vous avez fait, quelle que soit sa capacité, cela ne vous accordera pas la vie éternelle. Verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'Israël l'a cherché, non pas la foi. Ils l'ont cherché par leur propre force, ils l'ont cherché par leurs efforts, ils l'ont cherché par leur capacité, qu'on n'a pas besoin d'un sauveur. On n'a pas besoin de merci, on n'a pas besoin de substitut, on n'a besoin de personne pour mourir à notre place. On peut avoir le salut par nous-mêmes. Nous pouvons avoir cette vie éternelle par nos œuvres. Vous ne le pouvez pas. Parce qu'Israël a cherché non pas la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Ils se sont heurtés. Romains 6, verset 22. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché, Christ
a fait cela. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. J'ai fait ceci, j'ai fait cela moi-même. Le moi pour le salut ne peut pas vous accorder le salut. Je suis pur moi-même. Je suis juste par moi-même. J'ai rendu ma voix juste par moi-même. Je paie cette somme, je fais ceci, je fais cette œuvre. Christ, par son expiation, Christ, par son sacrifice, Christ, par son sacrifice de substitution à la croix de Calvaire, est venu vous rendre juste pour vous pardonner. Disons par exemple, si c'est possible, qu'à l'âge de 15 ans, que vous meniez une vie parfaite, une vie impeccable, vous êtes aussi juste, aussi pur que la neige, aussi bon qu'un ange. Si cela était possible, ce n'est pas possible, pas vous-même, pas vos forces. Si c'était possible de mener une vie juste, d'être saint, et à partir d'un âge et jusqu'au jour de la mort, si vous menez comme ça, vous allez mener la vie à aller au ciel. Non. Tous les péchés que vous aurez commis de votre naissance jusqu'à 15 ans ou jusqu'à 27 ans, jusqu'à 40 ans, et que vous dites que je ne vais rien dire de mauvais, je ne vais rien faire de mauvais, je vais mener la vie d'un ange. Tous les péchés que vous avez commis avant ce temps-là doivent être expiés. Si ces péchés ne sont pas expiés, tout ce que vous faites maintenant par vos efforts n'auront aucune base pour la vie éternelle. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi, il doit vous affranchir. Étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, on ne gagne pas ceci, on n'acquiert pas ceci, on ne se qualifie pas pour ceci, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le seul moyen que cela peut venir au travers de Jésus, notre Seigneur. Matthieu 5, verset 21. Matthieu 5, 21. Comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. C'est pas la grâce. C'est le don de Dieu. Par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur numéro 1, il donne la vie éternelle. Quel que soit ce qu'on fait, cela n'est pas assez pur pour mériter la vie éternelle. Que dois-je faire? Il y a quelque chose que Christ a fait. Et vous devez prendre bonne note de cela. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, mais ce que lui, il a fait. Tite, chapitre 3, verset 5. Et Tite 3, 5. Non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites. Cet homme-là, la femme-là qui se vante de ceci, cela, je ne fais pas de mal, je ne fais rien de mauvais à personne. Et mon cœur est pur, mes mains sont innocentes, je suis simple, je suis sincère, je fais de mon mieux, j'aide les gens, je vais à l'église, je lis la Bible, et je prie, et je jeûne. Et celui nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait une régénération et le renouvellement qu'il a répandu sur nous avec abondance.
par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifié par sa grâce, voici cela, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, qu'on gagne, nous sommes justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Nous retenons à Marc 10. Deuxième point maintenant. Moissonner la perte éternelle à travers la focalisation sur les choses corruptibles. Moissonner la perte éternelle à travers la focalisation sur les choses corruptibles. Marc 10, verset 22. Mais affligé, il y a plusieurs personnes qui viennent poser, la question au sujet de la vie éternelle. Ils posent la question parce qu'on croit qu'ils ne connaissent pas, on suppose que c'est une chose qu'ils demandent à Christ qui connaît la chose. Et le Seigneur a donné la réponse appropriée, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Cependant, après la bonne réponse donnée, il s'attriste. Et tu es attendu. Mais pourquoi tu es affligé? Tu as posé une question. Christ t'a répondu. Il t'a dit ce qu'il faut faire. Et le point culminant de tout, c'est que viens à lui. Si tu ne viens pas à Christ, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Prends ta croix. Les gens vont te persécuter. Ils vont s'opposer à toi. Ils vont se mettre en pied d'achoppement devant toi. Mais tu prends la pierre d'achoppement comme un tremplin et que tu continues de me suivre. C'est la bonne réponse. Pourquoi es-tu affligé? Il ne voudrait pas entendre ce que Christ a dit. Il voudrait que Christ l'élève, que Christ l'étale, que Christ dise que voici cet homme, par lui-même, dans sa force, ou par sa capacité, il a fait de ma venue, il a fait de ma croix, il a fait de ma crucifixion, il a fait de ma mort inutile. Il peut se sauver. Regardez l'homme là. C'est ce que l'homme là espérait. Que le Seigneur l'élève. Mais, félicitations, tu t'es sauvé. Tu te sauves toi-même. C'est ce qu'il voudrait entendre. Mais lorsqu'il a entendu qu'il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a aucun nom, il n'y a pas de justice que quelqu'un homme peut pratiquer et parvenir à la vie éternelle par lui-même. Il doit tout abandonner. Il doit tout délaisser. Il doit se repentir. Il doit se détourner de ce qu'il appelle les bonnes œuvres. Il devait prendre sa croix et me suivre. Lorsqu'il a écouté cela, il est affligé. Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il devait rester pour écouter le dernier mot de Christ. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ils n'ont rien entendu de pareil. Peut-être vous n'avez rien entendu de pareil. Qui sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui ont des richesses, les gens qui possèdent des richesses et leurs richesses les possèdent. Voilà l'argent. Les richesses, les trésors
ont une façon de posséder l'homme là, d'acquérir l'homme là, de captiver la personne. Et l'homme là qui possède les richesses, l'homme que les richesses possèdent, que ces trésors l'ont possédé, l'ont emprisonné. Ces richesses ont le contrôle sur sa vie. Et tout ce qu'il pense, il pense sur la base de ses richesses. Oui, j'ai besoin d'une maison. Oui, il pense aux richesses qui vont faire cela. J'ai besoin d'une aide. Il pense aux richesses qui vont faire cela. J'ai besoin de contacts. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un serviteur. Il pense aux richesses qui vont lui fournir tout ce dont il a besoin. J'ai besoin de la vie éternelle. Il pense aux richesses qui vont lui accorder cette vie éternelle. Et j'ai besoin du ciel. Et il pense à ces richesses. L'argent vont répondre à tout dans sa vie. Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, comprenez maintenant, c'est la vraie signification de ce que Jésus avait dit. Alors il a clarifié cela à ses disciples. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se... Dites-moi le mot là. Dites-le moi. Que je vous entende à ceux qui se... Que tout le monde vous entende. À ceux qui se confient dans les richesses. La confiance en la richesse, dans les richesses. Ils ne mettent pas la confiance en Dieu, mais dans leur richesse. Ils ne mettent pas leur confiance en la miséricorde de Dieu, mais en leur richesse. Ils ne mettent pas leur confiance en Christ, mais ils mettent leur confiance en la richesse. Ils ne mettent pas leur confiance en la grâce de Dieu. Et je suis rien sans sa grâce. Je suis rien sans le don de la vie éternelle. Je suis quelqu'un. J'ai tout. Ils mettent leur confiance en ses richesses. Qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche qui fait de ses richesses sa confiance d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils étaient étonnés au départ, mais avec cette explication, sachant, connaissant la nature des riches autour d'eux, voyant l'attitude des riches qui les environnaient, que ces riches, et ils n'ont confiance en personne, ils ont mis leur confiance dans leur richesse, ils ne comprenaient pas que l'argent peut acheter le lit et non le sommeil, ils ne comprenaient pas que l'argent peut bâtir une maison, mais l'argent ne peut pas faire un foyer. L'argent peut acheter le remède, un médicament et non la santé. Il ne comprenait pas que l'argent peut acheter les choses terrestres et non les choses célestes. Donc Jésus a donné l'explication. Les gens qui croient que l'argent est tout en tout, l'argent peut vous amener partout, l'argent peut vous faire avoir tout, l'argent peut monter l'échelle pour vous amener au ciel, l'argent peut tout donner. Est-ce qu'ils croyaient? Et maintenant c'est dit, les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Oui, les gens ont de l'argent, acheter une Bible sans être sauvé, acheter la Bible, il faut croire, il faut avoir la foi en Christ pour lire la Bible. Et les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter la Bible, qui donc peut être sauvé? Et des gens qui ont le transport, et aller à l'église, ils ont la voiture, aller
à la synagogue, s'ils peuvent aller à l'église utilisant leur voiture, et les gens qui n'ont pas de voiture. C'est dit ici, et qui peut être sauvé? Les gens qui ont le moyen et de venir à Christ, ils peuvent venir, ils sont audacieux et ils n'ont pas hérité la vie éternelle. Et ceux qui n'ont pas le courage de venir à lui, et qui peut être sauvé? C'est ce qu'ils croyaient. Et Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Dieu peut toucher le cœur de tout homme. Dieu peut transformer le cœur de tout homme. Dieu peut ôter l'homme de la confiance en richesse et mettre la confiance en Dieu et aller au ciel. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à... Aidez-moi à compléter la phrase là. Dieu peut sauver tout le monde. Il peut sauver ceux qui viennent à lui aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quel est le problème de cet homme? Le problème de cet homme, c'est qu'il se focalise sur les choses corruptibles, sur l'or, sur l'argent. Il se focalise sur l'argent, sur les richesses. Première Pierre 1, 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de, par de l'argent ou de l'or, n'est pas sauvé, n'est pas justifié, pardonné, vous n'êtes pas purifié, vous n'avez pas la vie éternelle sur le fondement des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est le seul moyen du salut. Votre argent ne peut pas vous sauver. Tout ce que vous avez ne peut pas vous sauver. Ce sont des choses corruptibles, périssables devant Dieu. Psaume 49. Psaume 49. Psaume 49, verset 7. Et ils ont confiance en leurs biens, comme l'homme là. Ils ont confiance en leurs biens, comme l'homme de notre étude. Ils ont confiance en leurs possessions, comme l'homme qui fait l'objet de notre étude. Comme plusieurs personnes de ce jour, ils vont à l'église tout simplement. Si vous leur demandez, et comment sais-tu que tu vas au ciel? Ils disent, oh, mes bonnes œuvres sont plus grandes que mes œuvres mauvaises. Je sais bien que je suis pécheur, mais je ne suis pas un simple pécheur. Je fais ceci, je fais cela, je perds. Je perds les 10 000 offrandes dans mon église. Je fais le monde aux aumônes. Je fais tout de mon mieux. Et je suis riche et j'utilise mes richesses pour de bonnes fins. J'utilise mes richesses pour de bonnes fins. Ils mettent leur confiance en leur bien. Verset 7. Ils ont confiance en leur bien. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent pas se racheter. Ils ne peuvent se racheter. Ils ne peuvent racheter aucun prochain, aucun parent, aucun voisin, ni aucun des riches, aucun des gens en autorité, aucun de ceux qui sont riches, aucun des gens prospères,
Aucun, en aucune manière, ne peut racheter son frère, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et très précieux et cher que seul le sang d'un substitut parfait qui puisse expier leurs péchés et leur donne la vie éternelle. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles. Ils s'imaginent que leur argent, que leur richesse, que leur trésor vont bâtir quelque chose d'éternel, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent, telle est leur voix, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Ceux qui mettent leur confiance à leur richesse est une folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Ceux qui les environnent croient qu'ils font de bonnes choses. Je prie que Dieu ouvre les yeux de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Psaume 52. Psaume 52, verset 8. Les justes le verront et auront de la crainte. Verset 9. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, qui ne prenait pas Dieu pour son salut. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour la vie éternelle, mais qui se confiait en ses grandes richesses. Je pose la question maintenant. En qui confiez-vous? Qu'est-ce que vous prenez pour le fondement d'hériter la vie éternelle? Est-ce que vous croyez que c'est votre richesse? Est-ce que vous croyez que c'est votre bonne œuvre sans Christ? Est-ce que vous croyez que c'est le fait de ne pas porter ceci et cela, de ne pas boire ceci, de ne pas fumer cela? Est-ce que vous croyez que c'est par votre propre effort, c'est par votre capacité, c'est par les choses qui font votre gloire, ce que vous possédez, ce qui vous possède et ce qui vous donnerait la vie éternelle? Est-ce que Dieu est dans vos pensées? Est-ce que Dieu est dans votre cœur? Est-ce que Dieu est dans votre imagination? Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Quelque chose qu'ils font, ils se fortifient, ils croient que l'argent va tout acheter, que les possessions vont tout acheter, que la position va tout acheter. Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie 9, 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Qui ne se confie pas en sa richesse. Qui ne soit pas possédé par sa richesse. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis
le Sauveur, celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné un Rédempteur, qu'il a offert un Sauveur, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en Dieu, quiconque croit en Christ, et que la personne ne fasse pas de la richesse un substitut au Sauveur, un remplaçant du Sauveur, croyant que les richesses vont vous sauver. Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Luc chapitre 12. Luc 12. Verset 16, Luc, chapitre 12, nous lisons le verset 16. Écoutons les paroles de Christ. Luc 12, 16, il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, s'il a lu l'Écriture, il n'y a rien qui vienne en lui avec ses pensées. S'il va à l'église avec ceux qui vont à l'église, il n'y a rien qu'il ait lu et qui fait son raisonnement. S'il a écouté un message d'un prédicateur, il n'y a rien ici qui fait son raisonnement. Oui, il est possédé par sa richesse. Il est captivé, emprisonné par sa richesse. Et ces gens ne peuvent pas penser à leur revenu, aux choses qu'il possède, aux choses qu'il possède. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Les riches sont remplis du moi. Ils sont imbus d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils peuvent commander les serviteurs. Ils peuvent s'acheter n'importe quoi. Ils peuvent tout bâtir. Ils peuvent avoir des contacts. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Tout ce qui est de la terre. Mais ces gens, ils croient qu'ils peuvent tout posséder. Et leur pensée, leur langage est imbu d'eux-mêmes. Quand vous venez à Christ, alors c'est ce que Dieu écrase le moi de votre vie, afin que vous dites, ce n'est plus moi, afin que vous disiez, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lorsque vous êtes dans votre vie naturelle, ou bien vous êtes sauvé ou rétrogradé, vous êtes rempli de vous-même et dit, j'ai amassuré toute ma récolte et tous mes biens, toutes mes choses, moi, je. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, Dieu qui l'a oublié, Dieu qui est le seul du salut, Dieu qui est le seul qui donne la vie éternelle, mais Dieu qui est le seul qui pourvoit le salut, mais Dieu qui l'a oublié, mais Dieu à qui il ne pensait pas, mais Dieu qui n'était pas dans ses pensées, Dieu lui dit,
insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il ira à une éternité de perdition parce qu'il s'est confié aux richesses. Verset 21, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche, et qui n'est pas riche, et qui n'est pas riche pour Dieu. Comment? Il n'est pas riche dans la foi, il n'est pas riche en confiance, il n'est pas riche dans le royaume de Dieu, il n'est pas riche, il n'a pas donné son âme à Christ pour que Christ lui accorde la seule richesse qui soit éternelle, le salut. Un homme insensé, une femme insensée qui met toute sa confiance en les choses terrestres et qui ne sont pas, ou bien qui n'est pas riche envers Dieu. Et vous pensez à vous-même et vous croyez être sauvé. Est-ce que vous pensez à ce salut? Est-ce la plus grande richesse que vous ayez? Vous dites que vous êtes sanctifié. Est-ce que vous pensez à la sanctification comme la plus grande possession à posséder? Vous pensez à la plénitude du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous prenez cela à la direction du Saint-Esprit comme la plus grande direction à avoir? Ou bien vous dites cela par la parole de bouche, mais dans votre vie, dans votre comportement, dans tout ce que vous faites, vous vous confiez en vous-même. Vous mettez votre confiance en vous-même. Vous avez la solution pour toutes choses. Vous avez la réponse pour toutes choses. Et Christ le Sauveur n'est pas dans vos pensées. Si vous mourrez dans cette condition, ce serait la perte éternelle. Retournons à Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Lisons le verset 28. Marc 10. Verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Comprenez, lorsque Pierre et le reste des apôtres ont écouté que cet homme-là s'en était allé tout triste, Pierre a dit, et nous, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Comprenez. Il dit, nous avons tout quitté. Si vous arrêtez là-bas, cela n'a pas le salut. Nous avons tout quitté. Nous vivons maintenant par les œuvres caritatives. Cela ne donne pas le salut. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons suivi le Sauveur, nous t'avons suivi, toi le pourvoyeur, nous t'avons suivi, toi, le médecin, tout ce qu'on a reçu de toi n'est pas à comparer aux choses qu'on a quittées. Maintenant, comme nous cherchons le royaume maintenant et sa justice, toutes ces choses nous seront ajoutées, comme on a tout quitté et comme on te suit. Tu es le propriétaire, le possesseur de tout. Et comme nous te suivons, n'allons pas nous affamer comme on te suit. N'allons pas être nus comme on te suit. On ne va pas demeurer pauvre comme on te suit. N'allons pas rester malade. Nous te suivons. Et Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, à se quitter tout. Les gens qui peuvent quitter tout parce que une idole leur a dit de laisser cela, ou pas manger ceci, ou parler ceci, parce que l'idole de la famille ne veut pas qu'on maille cela et il lève cela ne donne pas la vie éternelle.
Ça, c'est à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Nous laissons ceci parce que cela empêche l'évangile. Parce que cela empêche notre position de suivre le Seigneur. Ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons. L'homme là qui était affligé n'a pas compris la provision du Seigneur, la substitution de la grâce et la provision des richesses du royaume. Et croit que si je laisse Jésus-Christ, donc cela veut dire que je vais rester dans la misère, je vais vivre comme un mendiant. Il n'a pas compris. Il y a beaucoup qui écoutent une partie de l'écriture et n'ont pas écouté l'autre partie du message. Donc, ils écoutent une partie qui les afflige et s'enfuient vers la perdition. N'allez pas fuir vers la perdition. Je n'ai pas entendu votre amen. Je crois que parfois vous oubliez que vous êtes maintenant en 2020. Quelle est la mer de 2020? Verset 20. Verset 30. Nous reçoivent au centuple. Quand? Dites-le moi. Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, dites-le moi, la vie éternelle. Je vais vous montrer quelque chose ici. Le verset 29. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui ayant quitté quoi? Qui a quitté quoi? À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou quoi? Ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou quoi? Ses terres. Ou quoi? Ou ses terres. Tout le monde écrivait oh. Et si vous êtes marié, il faut crier ici. Il y a ici, il y a mention aussi de femmes. Et à cause de la persécution, et voilà le verset 30. Nous reçoivons au centuple présentement dans ce siècle-ci. Il y a des frères, il y a qu'est-ce que je suis, des sœurs, il y a des mères, il y a des enfants, il y a encore des terres. Il y a quelque chose qui fait des fossiles. Il n'y a pas de femme ici. Parce qu'en doucement, si à cause de l'évangile, il y a séparation, vous devez faire une réconciliation et retourner à la femme. Parce que le Seigneur peut vous donner des femmes, peut vous donner des terres, des maisons, des sœurs, des frères, des mères dans le Seigneur. Peut vous donner des enfants dans le Seigneur. Peut vous donner des terres. Vous pourrez avoir des persécutions, mais vous n'aurez pas des femmes. Le Seigneur est très clair dans ses enseignements. Et verset 31 dit, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Je prie que vous ne soyez pas derniers. Pourquoi Jésus a dit que plusieurs des premiers seront les derniers? Les gens qui ont cru jadis. Avant, au départ, ils étaient très fervents et très enflammés pour le Seigneur. Ce sont des gens fervents en prière, des gens soumis au Seigneur. Mais plus ils montent, plus ils se refroidissent. Plus ils suivent le Seigneur, plus ils ralentissent. Et les gens qui viennent d'arriver maintenant, et ils sont les derniers,
parce qu'ils viennent d'arriver maintenant et leur faveur et leur soumission, leur foi, leur obéissance a tout cela a surpassé les anciens qui avaient cru qu'ils ne sont plus fervents, qu'ils ne sont plus soumis au Seigneur. Je prie que ceux qui viennent maintenant à la dernière heure ne vous surpassent pas ni ne vous dépassent au nom de Jésus-Christ. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Qu'est-ce que le Seigneur demande? Il demande la crucifixion. Qu'il est crucifié, comme il est crucifié, il a tout laissé. Vous serez comme lui. Allons à Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec lui et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si vous êtes crucifié avec lui, toutes les choses de ce monde ne seront plus importantes pour vous. N'allez pas vous accrocher à elles. Vous n'allez pas les saisir. Vous n'allez pas vouloir aller. Vous n'allez pas vouloir aller à cette invitation. Que de venir aller au culte dominical, aller à faire ses affaires, que de venir à l'église. Si réellement vous êtes crucifié avec le Seigneur, c'est ce que le Seigneur espère de nous, qu'aucune de ces choses ne vous appesantisse. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 5, verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Christ sont crucifiés. Ouais, et ils ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Galates, chapitre 6, Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Lorsque vous venez à Christ, vous pourrez avoir votre maison, vous pourrez avoir votre bien, pour avoir tout ce que vous avez, mais vous allez les prendre à la main légère. Si Christ leur demande, si Christ est juste là que donne ça aux pauvres, si Christ dit nourrit les affamés, si Christ dit aide ton prochain, tu prends la chose là à la main légère, tu es crucifié au monde et le monde t'est crucifié, tu ne prends rien avec les mains fermes et tu ne peux rien abandonner à cause de la paix de Dieu sur ta vie. Voyons Romains 6. Romains chapitre 6. Romains 6, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, le vieil homme qui agrippe les choses fermement, l'ancien, le vieil homme qui agrippe l'argent fermement, le vieil homme qui est égoïste, égocentrique et avare. On ne peut rien sacrifier pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. Notre vieil homme qui est si égocentrique a été crucifié, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Cette nouvelle vie, le Seigneur l'accordera à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le Seigneur demande, c'est ce qu'il nous a donné. Alors, on donne cela libéralement. Il n'y a rien que vous preniez et qui vous fait dire que je profite de ceci, je profite de cela. Parfois, ce peut être une chose mauvaise,
une chose bonne, mais vous devez tout laisser, car si je laisse cela, comment je vais continuer à avoir ceci et cela? Voyons Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3, verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a consacré tout ce qu'il a. Voilà le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, est-ce la religion? Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, ma position parmi les pharisiens, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, mon autorité d'avoir des lettres et aller par-ci, par-là et arrêter les gens, mais ces choses qui étaient pour moi des gains dans la religion, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai abandonnées. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Nous allons aux Hébreux. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ouais, ça, c'est plus grand que la richesse. Cette royauté aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande, regardant l'opprobre, la persécution, regardant toutes les souffrances comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je prie que la même grâce que le Seigneur a donnée à ses saints d'autrefois nous soit accordée au nom de Jésus-Christ. Nous n'allons plus nous accrocher, nous attacher fermement à quelque chose, pour que nous n'allons pas permettre à cette chose de rivaliser avec notre salut, avec notre vie éternelle, avec notre confiance en le Seigneur, avec notre dépendance du Seigneur. Quel que soit ce que le Seigneur exige de nous à laisser pour le salut, pour la cause de Christ, nous allons laisser cela, nous allons donner cela, et non, et n'allons pas vivre comme l'homme, le riche insensé au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous mettez le royaume de Dieu en premier lieu, Dieu en premier lieu, Christ en premier lieu, ce que vous avez perdu, le Seigneur va le multiplier au centuple et vous l'accorder et vous le remettre au nom de Jésus-Christ. On va aux Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Mettez votre amour, votre point d'intérêt sur les choses d'en haut et non sur les et non celles qui sont sur la terre. Et non, ne mettez pas votre affection sur les choses d'en bas, sur le diplôme, les biens, sur les diplômes, sur l'argent. Votre foi, votre confiance ne doivent pas être mises sur ces choses. Et ne les estime pas au-delà de votre salut, de votre vie éternelle, de votre conscience en Christ. Ne prenez aucune des choses de cette vie au-delà
de votre héritage céleste. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce ciel-là, vous n'allez pas le rater au nom de Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la vie éternelle. Demeurez dans le Seigneur Jésus-Christ et la vie éternelle là, va demeurer jusqu'à ce que Christ vienne pour chacun de nous, pour nous faire entrer dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Et je serai sage et non insensé. Je serai sage et non insensé. Soyez sage. Accrochez-vous à la vie éternelle. Ne permettez à rien de la terre de vous ravir la vie éternelle. Tenons-nous debout maintenant et prions le Seigneur. Le Seigneur aime tout le monde. Il veut que tout le monde ait la vie éternelle. Le Seigneur aime tout le monde. Il veut que vous héritiez la vie éternelle. Repentez-vous. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Et après vous être sauvés, il ne faut pas remplacer la vie éternelle, le salut, avec des richesses, avec des choses de ce monde. Demeurez dans le Seigneur, persévérez jusqu'à la fin. Et vous allez retenir, ainsi vous allez demeurer dans la vie éternelle jusqu'à ce qu'il soit venu.